Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire des multiplications, autrement dit on va apprendre à multiplier. M-U-L-T-I-P-L-I-E-R, multiplier. La meilleure manière de comprendre ce qui va se passer, c'est probablement de partir sur un exemple, regarder quelques exemples, on va en discuter et vous allez comprendre au fur et à mesure un peu ce qui se passe. Mettons que mon premier exemple, ce soit de calculer 2 fois 3. Ça s'écrit comme ça, 2 avec une petite croix, puis un 3. Normalement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, quelque chose que vous savez déjà faire, c'est de calculer, par exemple, 2 plus 3. Ça, vous savez faire, additionner 2 et 3. Au cas où vous auriez oublié, je vous rappelle rapidement, mettons par exemple qu'on veut additionner 2 pommes et 3 poires. Je peux me les représenter comme ça. J'ai plus qu'à les compter. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 et 3, ça fait 5. 2 pommes et trois poires, ça me fait cinq fruits. Une autre manière de se rappeler un petit peu comment ça se passe et de voir un peu les choses, c'est de tracer la droite des nombres, de les placer, 0, 1, etc. Je sais que vous n'avez sûrement pas besoin qu'on vous rappelle tout ça, mais ça ne fait jamais de mal de revoir des choses qu'on a déjà vues. Surtout que là, on va un petit peu en avoir besoin. Donc je vous rappelle tout ça. On avait deux pommes, donc on se place sur le 2, à droite du 0, on va faire une addition, donc on va se déplacer à droite. Et j'ai additionné trois autres fruits, donc je vais me déplacer de trois intervalles vers la droite, une fois, deux fois, trois fois. Ce sont mes trois autres fruits, et j'arrive sur le 5. C'est bien la réponse qu'on a trouvée, 5 fruits. Ça c'est l'addition, vous savez faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, revenons à nos multiplications. Qu'est-ce que ça veut dire que calculer 2 fois 3, multiplier 2 avec 3. En fait, multiplier, c'est une manière beaucoup plus simple de faire plusieurs additions d'affilée. Laissez-moi vous expliquer. Quand on veut calculer 2 fois 3, on n'additionne pas 2 et 3. Ça veut dire que je vais additionner 2 à lui-même et que je vais être amené à l'additionner 3 fois. Autrement dit, je vais devoir poser le calcul 2 plus 2 plus 2. J'additionne 2 à lui-même. Et ça me donne 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est passé le 3 Et bien regardez, combien de fois j'ai des 2 dans cette addition On peut les compter de la même manière qu'on comptait nos fruits tout à l'heure. J'ai 1, 2, 2, 2, et j'ai 3, 2. C'est le 3 de ma multiplication. Calculer 2 fois 3, c'est additionner 2 à lui-même, 3 fois, et ça nous donne la réponse qui est 6. Là où la multiplication, ça peut devenir un petit peu plus compliqué, mais vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, ça rend les choses plus simples, c'est qu'il y a une autre manière de comprendre ce calcul-là. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'on m'a demandé de calculer 2 fois 3. Je vous ai dit, on additionne 2 à lui-même, et on fait ça 3 fois pour trouver le résultat 6. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que je peux prendre mon 3 et l'additionner à lui-même pour avoir 3 plus 3. Encore une fois, vous pourriez me dire, mais où est-ce qu'il est passé ce 2 À quoi il sert Eh bien, regardez, combien de fois j'ai 3 dans cette addition J'ai un 3 et j'ai 2 3. C'est le 2 qui me dit combien de fois je dois additionner 3 à lui-même pour calculer cette multiplication. Et 3 plus 3, vous le savez, ça fait 6. On trouve le même résultat que tout à l'heure. On avait 6, on a encore 6. C'est particulièrement intéressant parce que c'est la première fois que vous allez voir en mathématiques, et ça va vous être utile. Tout le temps où vous en ferez, que parfois il est possible d'obtenir un résultat par deux chemins différents. Peu importe le chemin, du moment que ce que vous faites est juste, vous obtenez une réponse qui est la réponse que vous cherchez. Calculer 2 fois 3, ça peut être additionner 2 à lui-même, 3 fois, 2 plus 2 plus 2, et ça me donne 6. Multiplier 2 et 3, ça peut être additionner 3 à lui-même, 2 fois, 3 plus 3, ça me donne 6. Alors je sais qu'à ce stade-là, vous êtes déjà en train de vous demander, mais à quoi ça sert tout ça À quoi ça sert les multiplications Je savais très bien additionner 2 et 2 et 2. Je savais très bien faire 3 plus 3. Je n'ai pas besoin d'une multiplication. Vous allez voir que ça simplifie grandement les calculs dès lors qu'ils peuvent devenir un petit peu plus compliqués. Continuons avec, euh, avec notre exemple des fruits. On va dire cette fois que j'ai des citrons. J'ai un citron, deux citrons, trois citrons. Vous voyez, je les place en ligne comme ça. Et je ne vais pas vous dire combien il y en a tout de suite parce que ça va être là que ça va devenir intéressant. Mais j'ai un tas de citrons comme ça que j'ai dessiné. Si jamais je vous demande combien j'ai de citrons, je sais que vous allez me dire que c'est facile. Vous les prenez, vous les comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on a la réponse. On a... 12 citrons, ça, on sait compter, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça nous a quand même pris un petit peu de temps et vous allez voir qu'il y a moyen d'être un petit peu plus rapide. Pourquoi Comme je vous ai dit, mes citrons, je les ai placés dans des lignes avec 3 citrons par ligne. Combien j'ai de citrons dans cette ligne J'en ai 3. On peut imaginer par exemple que dans notre magasin, les citrons sont dans des sacs et qui sont vendus par sac de 3 citrons. Dans ce sac là, j'ai trois citrons. Combien de citrons dans un sac On en a trois, ça on a bien compris. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est combien il y a de sacs de citrons Combien il y a de lignes bah, Regardez, j'ai une ligne ici, avec encore trois citrons, une ligne ici et encore une ligne. Je les compte. Une, deux, trois, quatre. J'ai quatre lignes de trois citrons. J'ai quatre sacs avec 3 citrons, autrement dit, j'ai 4 fois 3 citrons. J'ai 3 citrons ici, c'est une première fois. J'ai 3 citrons ici, c'est une deuxième fois. J'ai 3 citrons ici, c'est une troisième fois où j'ai trois citrons. Et enfin, il y a une quatrième fois où j'ai trois citrons, c'est là. Et par conséquent, ce nombre de citrons, 4 fois 3, ça doit être égal au résultat qu'on a trouvé ici. Il faut que ce soit égal à notre douce de tout à l'heure. Alors pour faire le lien avec ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais développer un petit peu tout ça. On va faire ces calculs et on va vérifier que ça marche. 4 fois 3, c'est quoi C'est 3 additionné à lui-même, mais combien de fois ben 4 fois, puisque j'ai 4 fois 3. Donc je peux poser mon addition. 4 x 3, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3. Mon 3 est additionné 4 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. 4 fois. Et là, faire cette addition, on sait le faire. 3 plus 3, ça fait 6. 6 et 3, ça fait 9. Et 9 et 3, ça fait 12. 4 fois 3, ça fait donc bien 12. C'est ce qu'on avait trouvé, c'est ce qu'on avait compté. Encore une fois, vous allez me dire, peut-être que j'étais plus rapide en comptant tous les, tous les citrons. Ça c'est vrai parce que la multiplication, c'est nouveau pour vous. Mais dès lors que vous aurez appris à multiplier, ça ira très très vite et vous verrez... Au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude et ce sera très rapide. Enfin, pour faire comme tout à l'heure, on peut regarder que ça marche aussi par un autre chemin. On peut dire que 4 fois 3, c'est 4, additionné à lui-même combien de fois 3 fois, j'ai 4 fois 3. Donc c'est 4 plus 4 plus 4. Et ça, pareil, on sait le faire 4 et 4 ça fait 8, plus 4 ça fait 12. Et on retrouve encore le résultat c'est notre nombre de citrons. Maintenant, ce qu'on peut constater quand on a fait ce calcul, 4 plus 4 plus 4, c'est que j'ai additionné des 4 entre eux. Et j'ai additionné combien de 4 Je l'ai additionné combien de fois Je l'ai additionné 3 fois. Autrement dit, j'ai 3 fois 4 ici. Et c'est pour ça qu'on peut dire que 4 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 4. J'ai 3 fois des 4 et ça me donne 12. 4 fois 3, c'est égal à 3 fois 4 et on pourra toujours échanger la position comme ça. Dire que 4 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 4, de la même manière que tout à l'heure, on a vu qu'avoir des deux trois fois, c'est la même chose qu'avoir des 3 deux fois. Alors, encore une fois, sur cet exemple, vous allez me dire, oui, compter 12 citrons, c'était facile, je n'avais pas besoin de tout ça. Mais maintenant, imaginez qu'un jour, dans nos sacs, au lieu d'avoir seulement 3 citrons par sac, on en ait peut-être 100 citrons, et qu'au lieu d'avoir 4 sacs, on a 100 sacs. Si vous voulez compter tous les citrons un à un, je vous assure que vous ne vous en sortirez jamais. En revanche, grâce aux multiplications, le jour où vous aurez besoin de calculer 100 fois 100, vous saurez le faire. Mais on ne va pas apprendre ça aujourd'hui, j'anticipe un petit peu trop. Ce sera le sujet d'une prochaine leçon. Toutefois, il y a encore quelque chose, une petite chose, deux petites astuces que je voudrais vous apprendre avant de vous laisser aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très pratique. La première de ces choses, c'est de voir ce qui se passe quand je multiplie un nombre par 1. Mettons par exemple qu'on ait besoin de faire le calcul 3 fois 1. Eh bien, ce que je vous dis, c'est que la réponse, ça va être égal à 3. C'est quelque chose qui surprend souvent les gens au début parce qu'on se dit comme ça, comment c'est possible J'ai multiplié 3 par quelque chose et je retrouve encore 3. Il doit y avoir une erreur quelque part. Eh bien non, on va regarder ça ensemble. Vous allez voir que ça s'explique très bien. J'ai 3 fois 1, c'est-à-dire que je vais additionner 1 à lui-même et je vais l'additionner combien de fois si vous avez compris tout ce qu'on a fait jusque là, vous savez qu'on l'additionne à lui-même 3 fois. Donc j'ai 1, 1, plus un deuxième 1, plus un troisième 1, c'est 3 fois 1. Et 1, plus 1, plus 1, vous savez le faire, ça fait 3. C'est notre 3 du début. Une autre manière de le comprendre, on l'a vu tout à l'heure, c'est que quand on doit calculer 3 fois 1, ça revient à faire la même chose que calculer 1 fois 3. Mais qu'est-ce que c'est une fois 3 C'est presque idiot tellement c'est facile. J'ai un 3, mais je l'ai combien de fois Je ne l'ai qu'une seule fois. Donc une fois 3, c'est tout simplement 3. Et donc 3 fois 1, c'est la même chose que une fois 3, c'est égal à 3. Et ce qui s'est passé là avec le 3, vous verrez que ça marche avec n'importe quel nombre. Quand je multiplie un nombre par 1, je vais retrouver toujours ce nombre. Par exemple, si je dois calculer 100 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 100, j'ai 1 fois 100, c'est égal à 100. Si je veux calculer 1 fois 39, le résultat que ça va me donner, je pense que maintenant vous avez compris, 1 fois 39, c'est égal à 39, et ce sera vrai pour tous les nombres, 1 fois quelque chose me redonne ce quelque chose. Enfin, je vous avais promis deux petites astuces, la deuxième, c'est ce qui se passe quand on multiplie par 0. Tout d'abord, on va se rappeler ce que ça fait que d'additionner par 0. 3 plus 0, je pense que vous vous rappelez, c'est 3 plus alors finalement rien du tout. Et donc, j'ai toujours 3. 0, ça ne représente rien en mathématiques. Donc, maintenant, imaginons que j'ai besoin de calculer 4 fois 0. On va continuer avec notre méthode qu'on a déjà bien utilisée aujourd'hui. 4 fois 0, c'est additionner 0 à lui-même 4 fois. Autrement dit, j'ai 0, plus 0, plus 0, plus 0. Et ça, encore une fois, on sait le calculer. 0 plus 0, ça fait 0, plus 0, plus 0, toujours 0. Et donc le résultat de 4 fois 0, ça va être égal à 0. Une autre manière encore de se représenter ça, on l'a dit, c'est qu'on peut échanger l'ordre dans notre multiplication. On peut dire que 4 fois 0, c'est 0 fois 4. Donc je vais avoir des 4, mais je vais en avoir combien de fois Je vais en avoir 0, aucune fois 4. Résultat, qu'est-ce que je peux écrire ici ben, Je ne peux rien écrire, j'en ai aucun des 4, j'en ai 0. Donc je laisse juste un espace vide comme ça. Un espace vide qui vaut rien du tout. Et en mathématiques, quand on n'a rien, ça vaut 0. Donc 0 fois 4, encore une fois, c'est égal à 0. Et finalement, n'importe quel nombre, si je l'ai 0 fois, je me retrouve avec rien du tout. Ce qui veut dire que même si j'avais un nombre énorme, peut-être des nombres tellement grands que vous ne les avez pas encore vus, comme 5 127 232, si je le multiplie par 0, ça va être égal à 0 de la même manière. Si je calcule 0 fois, mettons par exemple 17, je me retrouve encore une fois avec 0. Je n'ai pas de 17, j'en ai 0 fois. Ou alors je pourrais avoir autant de fois que je veux 0. Si je l'additionne à lui-même, ça me donnera toujours 0. Voilà, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.